coupable. 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 Rator. Le collège des juges t'a condamné à mort. Toutefois, en sa grande sagesse, notre souverain a décidé de t'accorder une chance de survie et il t'offre un moyen unique d'éprouver ta force. Pendant les fêtes du temple, tu livreras un combat à mort contre d'autres condamnés. Et si tu es vainqueur, le roi, dans son immense bonté, te fera grâce de la vie et te prendra à son service à la cour. Garde, emmenez-le. Hé, toi. Qui ça, moi? Oui, toi, à qui crois-tu que je parle? Il y a des gens qui parlent tout seuls, des tas. On rencontre si souvent des abrutis. Tu te crois malin, peut-être. Fais-toi voir. Demain, moi, je te tuerai. Souviens-t'en. Tu crois? Lève-toi un peu. Lève-toi. Attends-moi un petit instant. Excusez-moi. À présent, casse-le. Sujet à la colère, vaniteux en outre, et aucun sens pratique. Oh, pardon. Voilà, j'ai ton eau. Elle est chaude. Si tu atteins la mer à la bordure du bois, tu seras libre. Lorsque la statue sera à l'ombre, aussitôt nous commencerons la poursuite. Va.
Quoi? Tout s'est passé exactement comme nous l'avions prévu. Il suffisait de réfléchir. Non, non, mon roi bien-aimé. Je comprends ta déception et j'en suis désolé, mais aujourd'hui, tu rengaineras tes armes. Comment oses-tu? J'ose parce que je suis le plus fort, parce que nous sommes seuls, et parce que, avec l'aide de Rator, je vais te faire une belle surprise. Allons, Dieu sur Terre, suis-moi. Te suivre, et où ça? Aux enfers, où tu vas être jugé par les dieux que tu as offensés. Saute, Krios! Attrapez-le! Tuez-le! Tuez-le! Quoi? Tu veux que je saute? On n'a pas le choix. Bien, Beaubrun, nous arrivons. Encore un petit effort. Dis un peu. Où sont les ruines du temple du divin Jupiter dans ce maudit patelin? Hein? Sur la colline. Rejoins-moi là-bas cette nuit. Te voilà enfin. C'est pas trop tôt. Mais explique-moi, qu'est-ce que c'est que ça? Un cadeau pour un ami. Mais qu'est-ce que tu cherches? Dans tous les temples de Zeus, on trouve une entrée qui conduit aux enfers. Et aux enfers, il y a Pluton. Tu veux descendre aux enfers? Pourquoi? Ça me regarde. Je ne vois rien. Ah, tu es complètement fou. On ne voit rien, mais c'est normal. Ce temple a été inondé, submergé, et l'entrée est cachée sous l'eau. Mais où veux-tu aller? Attends-moi ici, j'ai deux mots à dire à Pluton. Tu as soif? Alors pourquoi ne bois-tu pas, mon mignon? Bois! N'aie pas peur. C'est le casque de Pluton qui me rend invisible. Mais ce qui est regrettable, c'est que ça ne marche que la nuit. Je sauverai pourtant Antiope grâce à ça. Rator. 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 Reposez-vous un petit peu. Que chacun reste à son poste et soit prêt à reprendre la rame. Espérons qu'on ne nous fera pas aller à terre. J'ai vu pas mal d'endroits bizarres dans mes voyages. Caridé Silla, la forêt des Harpies.
Mais une île comme celle-là...